Non, je peux pas te dire ça, frère, c'est Shuma. Hein? Elle aime la sauce blanche, frère. Ah! Qu'est-ce qu'elle m'a dit, frère? Elle m'a dit tous les matins, j'en mets sur le visage parce que c'est bon contre les rides et tout. Ah la vache! Donc Zarman arrive le matin, elle va au grec, mais moi, sauce biggie, sauce blanche. Madame la sauce! Salam alaikum! La hache, les khoya! Alhamdoulilah, je cherche du hashish pour planer comme l'avion de Pablo. Je vous dis, je suis qui, les gars? C'est moi qui gère le burger shot, Roya. Mais il y a un truc qui va pas, Roya. Regardez mes yeux. Qu'est-ce que vous voyez quand vous observez mes yeux? Rien du tout, Roya. C'est le vide. Ah, là, c'est mieux. Ah oui. Là, j'ai dit oui, là. Wow. Bonjour. Ah ouais, le chapeau. Bonjour. Ça va ou quoi? Ah, ça va, et toi? C'est qui, déjà? J'ai oublié, c'est... Caramella. Mais... Ah oui. Caramella Diaz. Caramella Diaz. Ça va, la forme? Oui, ça va. Fallait que je te parle. C'est la responsable. Aïe, aïe, aïe. Déjà? Oh putain, ça va vite. Oui. Demain, photoshoot. Hein? Demain, photoshoot. C'est quoi ça? Demain, on va faire un photoshoot pour les Weasel. Ah non, mais moi, c'est pas possible. Ah, pourquoi c'est pas possible? Parce que moi je suis recherché pour le FBI, moi. Tu mets l'hamburger sur la tête là. T'as fait des photos mascotte burger. Allez, viens. Tu vois, je suis quand même un mec occupé, t'as bien vu, tu vois, regarde. Waouh. Regarde mes yeux. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes mes yeux comme ça? Je vois beaucoup d'occupation. Hein. Ah, mais il y a énormément d'occupation. Ouais. Tristesse, ouais. Caramel, je peux te parler en secret? Oui. On arrive, Mousse. On va pas parler de toi, t'inquiète. Non, allez-y, je vous en prie. Viens, Caramel. Vas-y, installe-toi. Enfin, moi, je te conseille de t'asseoir parce que ce que je vais t'annoncer, là, ça va te faire déchanter, quoi. Ah, ouais, tu risques vraiment de tomber enceinte, là. Ok, je vais rester debout. T'es sûr? Oui, moi, je suis... Caramel, la vérité, en fait, moi, je suis un dangereux gangster. Moi. Je fais des bêtises et là, je suis recherché par le FBI et le CIA aussi. Et du coup, très là, bien, t'as regardé quel film pour raconter tout ça, là? C'est pas vrai, ça? Si? T'aimes bien les bad boys? C'est quelle question, ça? Non, c'est juste pour savoir si t'aimes les bad boys ou pas. C'est pour que je continue. C'est un genre, en gros, c'est quoi ton style des mecs? Comme ça, je continue ou pas mon histoire. Ok, bah j'aime bien les bad boys. Oh là là, c'est ce que j'ai fait moi dans ma ville. Laisse tomber. De base, j'habite dans la forêt, moi, dans une cabane et tout. Hein. Mais non. Je te jure, je suis devenu survivaliste. En fait, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. D'ailleurs, je dois aller voir mon psychiatre. J'ai plus trop de pilules et tout pour mon ventre et tout parce que je stresse, un peu stressé et tout. Et, okay. Du coup, là, j'ai des tatouages de fou. Hein. T'aimes bien les tatouages? T'as des tatouages, toi? Ouais. Toi, t'as des tatouages, toi? Oui, j'en ai. Jure, c'est des tatouages de quoi? Des tatouages de... J'aime beaucoup la mer. Du coup, j'ai fait une sirène. Oh oui, jure. Moi, j'ai fait tatouer un requin. C'est vrai? Ouais. Un requin marteau. Motre. T'es sûr? Oui. Je me retourne si tu veux. Bah ouais, non, mais tu peux... En fait, c'est compliqué parce que... Ah non, j'y suis plus sûr d'un coup. Mince, j'y suis plus sûr. Bah oui. Eh ben oui. Je l'ai, ah oui, non, c'est vrai, mince. Ouais, t'es non, cooking, en fait, toi. C'est bon, je vais pas voir, en fait. Bah t'es oui, quand même. Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord, bon. Ok, y a pas de soucis. Je te crois. Oui. Et dis-moi, tu aimes bien les chevaux aussi, du coup? Les cheveux? Les chevaux. Les chevaux? Ouais. Pourquoi? Bah, j'aime bien les chevaux, moi. Ah, toi, t'aimes... Mais je connais un cheval. Ah, tu connais, comment il s'appelle? Il s'appelle Tobias. Il est super gentil, il est doux, une crème. C'est un cheval gentil, doux et tout. Ah ouais, des fous. Attends, je vais l'appeler 2 minutes. Enfin, j'envoie un SMS au cheval, j'arrive. Oui. Ah. Allô, Mathieu? Ouais, cheval? Ah. J'ai mis un haut-parleur. Oui, ça va, et toi? C'est la malécoume, chèvre, ça va? Attends, ton cheval, il parle? Ah, c'est quoi ça? Allô? Madame? Oui, c'est un cheval, c'est très rare. Ça, je vais vous le parle de cheval. Madame, oui, ça va? Oui. Oui. Madame, t'es où dans ma tête, là? Oh, je suis dans les côtés gauche. Ah, c'est au parler? Cheval, tu peux venir à l'écurie du Burger Shot, s'il te plaît? Vas-y, ça marche. Ouais, non, chèvre. Fais le cheval. Ah, tout de suite. Vas-y, ça marche, vas-y. T'as vu? Ah, ouais. T'as vraiment un cheval qui parle et qui a un téléphone. Ouais, tu crois que c'est de la merde ce que je fais ou quoi? Clairement pas de la merde, hein. Il est doux et tout. Et ça fait combien de temps que t'es célibataire, toi? Moi, ça fait longtemps, mais attends, parce que je relève un petit truc que t'as dit quand même. Dis-moi. Tu as dit, il est doux, ça veut dire que tu le caresses quand même un peu, non?
Ouais, bah normal, c'est un cheval quoi, c'est un cheval du... c'est un cheval domestique. En fait, c'est un cheval, oui. C'est même pas un cheval, c'est un tocard. C'est-à-dire, c'est un cheval qui n'a jamais rien gagné. Bah pourquoi tu le gardes? Bah justement. Prends quelqu'un qui gagne quand même, bah, c'est nul. Oui, mais il me fait rigoler, donc pour moi ça me va. C'est chiant les chevaux qui gagnent, ils se la racontent, ils sont en train de toujours montrer leurs fesses à tout le monde. C'est bon, ça va dire... C'est comme les moches, tu vois, les femmes moches. T'es sûr que si elle est avec toi, elle va jamais te quitter, tu vois. Parce que bon, voilà, de base, elle a pas trop le choix. Penses? Ben oui. Ah oui. Ben oui. Ah, toi, c'est ça comme va, les mecs qui disent que c'est des bad boys, mais c'est pas des bad boys, en fait. C'est pareil, un peu. C'est des vrais cheveux, là, que t'as, Carmela, ou... Oui. Tu me mens? Ah, c'est les vrais... Non, non, je te mens pas. Je vais tirer un petit peu dessus, là, pour voir, là. Arrête. Ah ouais, c'est des vrais. Ah ouais, c'est des vrais. Et t'as quel âge, en fait, toi? Moi, j'ai 25 ans. 25? Ben, mon cheval, à moi, il a... Je crois qu'il a 25 aussi, hein. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis pas très cheval, en fait. Comment ça? Ah, c'est très bien d'avoir un point commun avec le cheval, mais j'aime plus les chevaux, en fait. Ah bon? D'un coup, j'aime plus. Allô? Ouais, annule le cheval. Viens en être humain, Khoya, c'est mieux. Ah bon? Ouais, viens en être humain, Khoya, c'est bon. Ah ouais? Le plan, il a échoué, Khoya, c'est mieux. Viens normal, viens, tu sais quoi, viens en congolais, c'est mieux. Bah là, je suis... Vas-y. Là, je suis là sur le terrain, là. Je suis à la caille. Vas-y, à tout de suite. Donc, faut que j'aille dans l'écurie? Ah, oui. Oui, oui. J'arrive dans l'écurie. Bah, c'est bon, alors. Bah, c'est parfait. C'est bon. Ah, c'est parfait. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah. Stop. Ah. Oh. Salam alaikum, ça va? Comment allez-vous, madame? Attends, je crois que vraiment très charmante. Je crois que je vois flou, là. J'ai problème. Ah bon? Ouais. Ça va, Mathieu? Starfallah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, mais Khoya, mais Hamid, t'as accouché d'un tube de ketchup, qu'il s'est passé quoi? Tobias, il travaille où? Dans le génie civil, pourquoi t'as un pleu sur la tête? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai un chantier dans mon cœur, il faudrait que... Et moi j'ai demandé du poisson. Allez-vous changer, vite fait, prenez votre badge, on va attaquer la semaine du travail là. Bonjour, monsieur! Monsieur! Kalashnikovs! Monsieur? Ah bon, on m'a déjà servi, chef. Bah oui, il est juste là pour s'asseoir. Ah, t'as cru, Zama, c'est Burger, c'était un camping. Zama, tu viens, oui, tu te poses au camping. Je pose ma chaise. Tu quoi? Je pose ma chaise et ensuite je m'installe. Mais regarde, t'as des tables ici, j'ai investi pour bah, toi, moi. Mais regarde, bah, oui, ils mettent des trucs bizarres, ils laissent leurs affaires si seuls. Mais non, mais regarde là-bas, il y a des tables où il n'y a rien, là-bas. Là-bas, il n'y a rien, ah si bon, tu veux. Ah bon, t'as signé qu'on est toi mano de restaurant, tu veux combien? Non, Tobias, calme-toi, calme-toi, nickel. Tu veux manger quelque chose? C'est bon, on m'a servi. Tu veux remanger quelque chose? Oui, je veux bien. Tu veux manger quoi? Je veux un burger simple. Quoi? Burger tout simple. Mais c'est ça quoi ça? Ça n'existe pas de toute façon les burgers compliqués, Roya. C'est quoi ça? Oh. Oula, faut que j'aille déposer ça là. Oh. La police. Oh. Attends, mais moi j'ai embauché qui moi en fait? Mais qu'est-ce que t'as trouvé ça où? Mais y'a que des gangs ou quoi ici là? Moi je veux un menu comme ça là avec les accords. Pas la merde. Attends, faut que je t'ouvre le. Non, ce menu là n'existait pas non. Le menu pour enfants, les jouets, c'est mon livre. C'est pas le jouet? T'as quel âge toi? J'ai 13 ans et demi. Starfallah, j'ai pas de soucis, sors tout de suite s'il te plaît. Quoi? Ah oui. Oh, sors. Mais c'est quoi ça? Oui, carrément. Oh mon dieu. T'as pas d'argent? Oui, on se fait des. C'est quoi pardon ça? Mais. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, Amit? T'as cru que t'étais un guetteur ou quoi? J'ai fait l'entrée. C'est moi qui gère qui rentre. Allô? Allô, Mathieu, ouais, j'arrive. Vas-y, je te. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Vas-y. J'arrive. À tout de suite, vas-y. À tout de suite. Mais wesh, c'est un cirque ou c'est un burger shot, Roya? Petit, tu peux décaler s'il te plaît? Pardon. Merci, c'est gentil. C'est là qu'on mange, oui. Allez-y, messieurs, dames, allez-y. Allez-y. Hé, viens, je vais te dire un truc, viens. Oui. Si tu veux, regarde. Tu te poses là avec ta chaise, et dès que tu vois les flics, tu cries ah. C'est bon? Et je te paye 50$ la soirée. Si, je fais ça. C'est bon? C'est bon. Vas-y. Mais tu cries bien fort, hein? Je crie. Hein. Vas-y, c'est quoi ton nom? Jimmy, vas-y, je vais t'appeler Mimi, c'est bon? Si tu veux. Je te donne un poulet grillé, d'accord? Comme ça, t'es bien avec ta petite canette aussi. Des Big Burger, des burgers, des menus chicken, menus salade. Voilà.
Je crois qu'on va prendre des menus. Quoi? 3 menus Big Burger. Très bien, comme boisson, vous voulez quoi? On a de la viande des biches si tu veux. Viande des biches? Ouais, de la viande des biches, tu l'as fait au barbecue chez toi? Ah oui, mais j'ai pas de barbecue chez moi, putain de bête. Ah, t'en as pas? Ah, c'est facile, hein. Moi je suis un serviste. Tu prends un petit bout de bois, tu prends des silex, comme à la préhistoire, tu frottes. Si t'as pas de silex, tu prends ta femme, tu frottes, et ça crée des étincelles, après c'est bon. D'accord. Tu veux de la viande des biches? C'est cadeau de la maison. Si c'est cadeau, je crois, hein. Vas-y, si bouge pas, j'arrive. C'est qu'à pas de pique, comme on dit. Ouais. Tenez, monsieur, je vous donne votre viande des biches à faire au barbecue. Oh, mais si. Bah, je vous en prie, ça fait plaisir. Oh, mais si qu'il y en a un bon kilo, là. Il a crash, Tobias, ou quoi? Dis pas qu'il est au Habs. Allô? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? J'arrive, je suis en train de me faire ressusciter par des médecins. Pourquoi? Il s'est passé quoi? J'ai fait un accident sur la route. Oh putain. T'es où là? Dis-moi, t'es où? Oh, ils l'ont buté ou quoi? Wesh. Alors, ça se passe comment, Jimmy? Franchement, tout se passe bien. Le poulet était bon. J'essaie d'aller chez les clients, mais il n'y a pas grand monde. Ok, ça marche. Vas-y, bouge pas. J'arrive, je vais faire juste quelques courses à la supérette et je suis là. Espèce du bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis le directeur du Burger Shot. Il y a en ce moment un individu qui est stationné sur une chaise devant le Burger Shot au niveau du parking qui arrête pas de menacer des gens avec une arme contondante. Il a un jean bleu, il a une doudoune, un truc sur la tête. C'est un jeune, il a 13 ans à peu près, il s'appelle Jimmy. Il m'a menacé carrément, il va pas partir. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? On arrive, monsieur, on dépasse un individu. Attention, il est armé et dangereux. Hein. Ouais, pas de soucis, on va arriver. Super, merci beaucoup. Pas de soucis, monsieur, tout de suite. Super, j'ai bien vu, t'as été réactif. Rapide, hein. Ces bâtards des flics des merdes, tu sais qu'ils ont tué mon oncle? Non, pourquoi? Je sais pas, ils l'ont mis dans la chambre de gaz. Je vais aller pisser contre l'arbre là-bas, là. Oui, fais attention, hein. Mesquine. Oh, c'était un bon Jimmy, hein. C'est Tobias? Il a failli percuter Jimmy. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame, vous arrivez? On arrive, monsieur, on arrive. Ok, super, merci beaucoup. Pas de soucis, monsieur, à tout de suite. Quoi, ça? Viens à côté de moi, Roya, viens. Oui. Dans moins de 3 minutes, il y a les flics qui vont débarquer. Pourquoi? On va voir, hein, pourquoi. Pourquoi? Ça sent le refilon. Vas-y, Hamid, on arrive. Démarre. On arrive. Et les flics qui vont débarquer, Roya, dans moins de 10 minutes, Roya, il y a quelqu'un qui va se faire soulever. Ah, oh, le petit? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Eh, t'as vu le hedge à droite là-bas? Ouais, apparemment, c'est le grand-père du Caramela ou je sais pas quoi. Il a un dos, on dirait. Il est un angle droit. Le théorème de Pythagore et Thalès en même temps. Puisqu'il en a 12 ans et demi, il met partout seul. Ouais, la police. Discret. Oui, aha, oui. Ara! De créer ça, ça veut dire quoi ça de Ara? Qu'est-ce qui se passe là? Vous allez m'embarquer? C'est Mathieu! Il m'a dit de crier! Qui c'est Mathieu là? Je Burger, je sais pas où il est! Burger, c'est toi? Ah non, moi je suis la mascotte! Je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais c'était Mathieu Burger! Tu diras l'enfoiré de Mathieu Burger, carrément qu'il faut éviter de dire ce genre de choses, t'as vu? Pourquoi il s'est passé quoi? Pourquoi il a. Et puis il est en train de dire des mots que ça veut rien dire, c'est quoi ça? Ara! Ah, ça veut rien dire! Mais j'ai dû crier quand je voyais les cops. Ah mais t'as crié quoi? C'est un code Joe. C'est bizarre, c'est le nouveau nom. C'est peut-être le nouveau nom du menu. C'est peut-être ça. Peut-être. Le Aha Burger. C'est peut-être le Aha Burger, hein. Aha Burger ici. Oui. Ouais, y'a du tout là. C'est pas un menu. Vous voulez manger quoi? Ah bah j'ai un Aha Burger du coup, moi. Vas-y, alors. Quelle sauce? C'est un menu. Ah, sauce Aha. Non mais là ce qu'ils disent là, le... Aha, non c'est bon. Ouais, Aha, c'est bien. Moi je suis la mascotte, tu peux pas servir, il y a des employés si vous voulez à l'intérieur. Ah, mascotte, ça doit pas être bien payé. Il y a un employé qui est juste ici, là, ici. Ah oui. Tobias. Oui. Tu peux donner 2 Aha Burgers, s'il te plaît, à ces messieurs? Burger. Voilà. Moi aussi, je vais préparer ça directement. Bonsoir, madame. C'est vous qui m'avez appelé? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, je suis la mascotte. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai reçu un appel d'une personne, enfin, apparemment du patron d'ici. Hein. D'accord. Qui dit? Comme quoi, il y a un monsieur assis sur une chaise devant le Burger Shot qui casse les couilles à tout le monde. Ah bon? Ok. Mais c'est pas possible. Vous êtes. Mais c'était avant ou après l'apéro que vous avez pris l'appel? Comment ça? Non, parce que la police, on vous connaît quand même, hein. Ça y va, et pas que sur les donuts. C'est là, il y a 5 minutes. Ah ouais? Et non, je vais d'interpeller un individu. Oh, l'accident!
Non. En direct. En direct. Oh, il va y avoir baston là. Oh, il va y avoir baston. Oh, va y avoir baston. Tu veux payer? Tu gagnes. Tu veux payer? Moi, je veux rien payer du tout, moi. Je veux pas de toi. Quoi? T'es sûr? Il a dit, t'es sûr? Ah ouais, papy. Ah putain, mais il a fait le Vietnam! Monsieur, vous faites quoi là? Il a fait, il a pas fait le Vietnam, hein, à mon avis. J'ai fait mal à la main! Monsieur, oui, bah, vache! Désolé! Il va piquer un chiffon, mon rigole! Pas de problème, désolé, il est un peu vieux. Oh merde! Je suis désolé, monsieur. Ah, papy, papy, t'as déconné là, comment tu l'as giflé? Mais je le connais! Le connais! Oh non, Jimmy! Jimmy, ça va? Non, oui! Désolé, Jimmy, du coup. Skin, tu l'as défoncé, Roya! Comment ça, désolé? Il est mort, il est en train de décider d'appeler l'ambulance! Non, ça va? Oui! Oh là là! Désolé, mon boy, tiens un petit. Oui, oui! Un petit bail là! Y'a rien qui va, voilà! Eh, hey, tu sais quoi, madame? Viens, je vais t'offrir un truc à manger à boire, vas-y! Tiens, t'es sur le burger flotte 35. Oui. Viens, je vais te donner à manger! Non, mais c'est bon! Non, t'inquiète, je vais te donner à manger! Ben non, c'est bon! Mais s'il te plaît, vas-y, je te donne un poulet grillé! Ok! Un poulet grillé! Ouais, je t'ai donné un poulet grillé. Ok, bah, vas-y, rentre, j'arrive. Rentre, je vais rentrer de l'autre côté, moi, j'arrive. Ok. Oui, oui. 200$ si tu voles la voiture de la police. 100$? Dépêche-toi, 200$. Ah oui, non, non, je suis pas là dedans, ça va pas. 200$, regarde. Mais regarde, il y a tout. Hey, hey. Bonjour. Ça va? Bonsoir, la police. Ça va, vous allez bien? Ça va, vous-même? C'est monsieur Burger ou c'est monsieur Connie? Ah, mais il faut recruter un petit peu des hommes là dans la police. C'est quoi cette merde là? Oula! Il y a trop de femmes là au mètre carré là. Là, il y a trop d'oestrogènes là au mètre carré là. On a été recruté pour le calendrier annuel, monsieur, c'est pour ça. Ah, bah tu s'expliques alors. Toi, t'es quel mois? Toi, ça se voit, t'es le mois d'octobre. Vu comment ta poitrine, elle tombe. Ah ouais, c'est l'automne, ça. Je pense que tu fais le mois d'octobre, toi. C'est une blague? Oui, c'est une blague, je rigolais, pardon. Vous êtes le mois de janvier parce que votre zigounette, elle est toute petite, c'est ça? Arrête, tu l'as même pas vu, arrête. On a dit, on parle pas des mères et des kikis. Pardon, désolé. C'est pas grave, tu t'appelles comment? Amirou. Attends. Amirou. Amirou, oui. C'est un pseudo ou c'est un prénom? Pourquoi t'as les cheveux roses, madame? C'est nature. Et pourquoi vous avez un cône sur la tête, monsieur? T'es raciste? Bah, c'est nature. Bah oui. Ah, t'es jaloux? T'es raciste des plombs? Raciste des plombs? Bah non, pas du tout. Bon, s'il vous plaît, les escort girls, ramenez-nous des vrais policiers, s'il vous plaît. On a envie de discuter avec des hommes là. Alors là, je ne consulte pas, moi, madame. Non, mais c'est bon, votre cosplay, le policier, ça va, les menottes, tout ça, on connaît, ça va 10 minutes. Mais qu'on fasse la danse, on passe directement au moment de la danse. Ouais, vas-y, ouais, je suis bien, vas-y. Détends-le. Vas-y, moi, ferme les yeux, du coup. Attention, il y a des clients, poussez-vous, s'il vous plaît. Ah, mais t'en as les mêmes cheveux. Vite aller couper tout ça. Roya, Tobias, s'il y a des mauvais payeurs, tu les dégommes. Hein. Ah oui, j'ai pris une machette. Clac. Attends, Roya, faut quoi? Ouais. C'était quoi? Dis-moi. C'était quoi l'arme que t'as vu tout à l'heure là? Là, c'était rien. C'est pas. Mais tu shoot. Mais tu fais quoi avec ça, Roya? Vous, monsieur casquette. Parce que en fait, je t'explique. Hein? À l'époque, je faisais des flics. Je fais ça. Hein? Attends. À l'époque, je faisais des braquages. Ah ouais, du coup, les burgers avaient quelle sauce pour les frites? Je sais plus ce qu'ils voulaient que... Sauce flica, je crois. Oui. En fait, tu faisais des flicas à l'époque. Des flicas? Ah, putain. Mais doucement. Non, je faisais caca. Caca, c'est quoi ça, il a dit? Mais tu peux être une bad boy, c'est pas grave. Hein. Mais quand même. Ouais, elle kiffe les bad boys, Carmela. Elle a 26 ans. C'est bad boy? T'as quel âge, t'as déjà? Attention. Moi, je m'arrange, hein. 26. 27. Bah, Roya. Si, franchement, si t'arrives à la pécho, Roya. Ouais, tu penses? Bah, il y a trop moyen, Roya. Vas-y, viens, essaye de la draguer. T'es sûr que... Attends, elle aime les chevaux. Écoute, elle aime les chevaux. Je te donne tes centres d'intérêt, d'accord? Vas-y. Elle aime les chevaux, d'accord? Chevaux? Elle aime les Barbie. Va pas me dire pourquoi. Elle aime les Barbie, Roya. Donc moi je suis. Oh, t'es ma Barbie, je vais te ken. Ah non, je suis ken, pardon. Ouais, elle aime les timbres. Elle est philatéliste. Elle est quoi? Philatéliste. Elle collectionne les timbres. Mais c'est quoi ça, les philatélistes? C'est les personnes qui collectionnent des timbres. Genre voilà, il y a des gens qui font ça.
comme tu veux. Je te jure, il y a des gens qui font ça, Roya. Ah ouais, chômeur en CD. Elle aime. Non, je peux pas te dire ça, Roya, c'est chômeur. Elle aime la sauce blanche, Roya. Ah. Ah oui. Ah oui. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, Roya. Elle m'a dit tous les matins, j'en mets sur le visage parce que c'est bon contre les rides et tout. Ah la vache. Donc Zarman arrive le matin, elle va au grec, mais moi, sauce biggie, sauce blanche. Moi, j'en plein. Partout, pour les frites. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, Roya, j'étais choqué, je te jure. Ouais, c'est trop. Ça va, c'est bon pour la peau. Madame, viens la sauce, madame. Madame la sauce. Hey, vas-y doucement, frère, vas-y doucement, romantique, romantique. Hey, salut collègue, comment tu vas? Et toi, viens. Ouais. Très bien. Ouais, tranquillement, ça se passe. Attends. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, dis-moi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Ben, j'ai envie de te dire le travail, quoi, du coup, quelques mots. Bébé, tu viens quand tu veux, d'accord? Et du coup, toi, t'as fait quoi de ta journée? Bébé, madame. Alors, moi, j'ai pas fait grand-chose d'ici. Hey, tu serais pas le wifi? Non. Parce que je ressens une connexion entre nous. C'est... Pourquoi vous... Et tout le monde est tombé par terre là. Allez. Hey les gars, Carmela, il y a ton grand-père qui se fait agresser là. Viens. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Les balas, aidez-moi. Les balas, venez. Ils sont où, les balas? Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Non, mais si tu veux régler tes soucis avec le grand-père, tu l'emmènes dans une ruelle et tu lui tabasses sa grand-mère. Voilà, t'as tapé l'ancien, c'est bien sûr. Viens. Voilà, allez là-bas, tout là-bas. De bien, s'il va y avoir Haja, viens. Haja, il y a des trucs de choses, là, viens. Le grand-père, il va se taper. Je te jure, il va se taper contre un balas, Roya. Viens. Devant le magasin de vêtements, Roya, ils vont se taper. Il va y avoir bagarre ou pas? Bien sûr qu'il y aura bagarre. Voilà! C'est ça qu'on veut! Ah, du coup, on disait quoi, bébé? Excuse-moi. Ton prénom, c'est écrit comment? Il y aurait pas une erreur dans ton prénom, Caramella? Non, pourquoi? Allez, battez-vous! Parce que Magnifique, ça s'écrit pas comme ça. Oh, arrête de me draguer. Voilà! Patate, vas-y! Allez, grand-père! C'est lequel qui va gagner? Foudre, ah, bah, dis donc, il a de la ressource, celui-là! Mais la tête de l'homme, il est trop chaud! Mais il est chaud! Avec son gros ventre! Oh non! Oh non! La jeunesse! GG! Bravo, tonton! Good game! Ah, bien joué! Attends, viens, on appelle la fourrière! C'est quoi ça? Attends, j'appelle. Quoi ça? Elle laisse leur voiture ouverte comme ça sur la voie publique. En plus, avec les clés sur contact. Sérieux? Oh! Wesh! C'est un plongeoir ou c'est une voiture? Ouais. Viens, on monte dedans. On va faire des livraisons. Vas-y, j'ai 2 minutes sur moi, on va livrer ça. Vas-y, go, on va où avec ça? Je sais pas, on va aller au poste de police, je pense. Non, on va aller au hood comme hier. Oui, avec la voiture qu'on a du coup. Non, rien du tout, on va au hood parce qu'il y a beaucoup de clients là-bas. On va aller chez les balasses. Oh la vache. Jimmy, t'es sûr de venir avec nous, hein? Mais tranquille, papa. T'as un métier à risque, tu sais, vendre des bourguires. Tout le monde peut se faire agresser ou quoi? Oh la vache. Oh lolo. Hop là. Comment il conduit? In the hood. Ça, c'était gangster. Voilà. Ouais, je trouve que ça sent le fleurimichon derrière. Comment ça? Hello? Regarde derrière. Oh non. Oh non. T'es mort, le Joe, arrête-toi. Hein? Mais non, mais non. Oh là là. Arrête-toi. Non, arrête-toi. Je m'arrête. Plus loin, non, arrête-toi pas ici. Plus loin. Non, on s'arrête là, non, ça y est, non, tu t'es dit, on s'arrête. On vous respecte, on s'arrête. Non, t'as dit, on s'arrête. Vas-y, avancez. Vas-y, on avance, vas-y. Vas-y. Non, plus loin. On peut plus. Ça bloque. Reste pas là, Cinco. Reste pas là, on va se faire fusiller. Si tu sors un calibre, tu vas plus loin ou pas? Prends en photo, lui. Ça dépend quel calibre. Si c'est 6.35, c'est de la merde. Si c'est 19, bon, ça passe. Attends, bon, regarde par la fenêtre. Vas-y. Je fais ça, par exemple. Oh non, on va avancer. Non, on avance, tranquille. On avance. Oui, c'est la merde, la limite. Non, tranquille. Oui, je pense qu'on va mourir, à mon avis. Arrêtez-vous vers là-bas, là. C'est quoi ça là-bas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Esquerda, la sorte à gauche, la rue. Là, ici? Ouais, ici, là. C'est ça, la merde. Ouais, ça, c'est la merde. Assurance, permis, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites avec ma coachée là, monsieur?
On l'a trouvé au niveau du Burger Shot, on a voulu appeler le Beniz pour la soulever, mais finalement personne ne répondait, donc on a décidé de l'emmener directement à la fourrière, quoi. Directement. Ah bon? Mais normal qu'elle était à la fourrière, il y avait mon hermana le commandant. Non, t'as pas compris. Elle était stationnée en fait de manière inopinée au Burger Shot. Vous travaillez au Burger Shot? Oui, oui, bah oui. Regarde. J'ai pas ce vocabulaire. Salut. Et c'est qui qui avait une Opinel au Burger T'en as là sur toi là? Tu m'en vends là maintenant? Hein? Tu m'en vends là maintenant? Tu veux un poulet grillé? Oh jure, incroyable. Tiens, poulet grillé. Bon, grâce à vous. On a des mecs, mais c'est des mecs du Burger Shot. Par contre, le mec derrière c'est un balas, hein. Je dis ça, je dis rien. Quoi? Ouais, ouais. Ouais, le mec derrière c'est un badass, hein, la tête d'homme. Ouais, ouais, ouais. Il s'appelle Jimmy. Ah, là-bas là. Jimmy in the hood, lui là. Moi je suis pas un badass, ça va pas la tête. Ah, je sais pas, tout à l'heure t'es descendu d'une voiture violette et tout, donc après je sais pas. Ah bon? Dites-moi, chère Monique, vous allez me mettre dans la merde. C'est toi qui as essayé de voler ma coachée. Un fuck les wagons. Ah, c'était lui donc la voiture que tu me disais tout à l'heure, Jimmy. Oui, c'est lui. Attends, attends. Répète-moi voir ce qu'il a dit. Il a dit quoi sur les wagons? Il a dit fuck les wagons, ça sent ta mariage dans respecte app. Quoi? Il avait dit ça à moi aussi, c'est chaud quand même. Oh, charge-le dans le coffre. Ah, le monde dans le coffre. C'est parti. Toi, tu montes dans le coffre. C'est chaud, hein. Dans le coffre de la coachée. C'est pas vrai. Charge-le, charge-le, Oscar. C'est vrai. Non, mais vous avez raison de le faire respecter. Non, c'est normal, il faut se faire respecter aussi. En tout cas, on est désolé pour la voiture. Ah, désolé, tenez, ça c'est pour la fourrière. Je vous paye, excusez-moi. Non, tranquille. Excusez-moi. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est pas grave, tranquille. Bon, récupère la coachée, bon courage. Ouais, bien sûr, c'est un peu rien. Appelle la taxi. Au revoir. Bisous. Gracias, ouais. Bonne soirée à vous. Ouais, au revoir. Ouais. Oh, c'est ton enfoiré de bas là, c'est lui. Je cours le nez, je l'aide. C'est possible. Attends, viens, on fait une... Attends. La sortie la plus rentable de l'histoire. T'as vu? Attends, c'est le numéro 10. Mais j'ai eu 100$, hein. Viens, quand même, on lui envoie un message, une skin. Attends, viens. Qui c'est, Jimmy? Ouais, on lui envoie une photo, frère. Tiens, on le reconnaît, ça se fait pas. T'as bien fait un signe en mode on est avec toi. Attends. Viens sur ma gauche, s'il te plaît. Sur ta gauche, Roya? Ouais, sur ma gauche, ouais. On est ensemble! Je lui dis, on est avec toi, Roya. Roya, appelle un taxi, s'il te plaît. Taxi! Mais franchement, c'est ce qu'on devait faire, non? Taxi! Non, mais appelle-le au téléphone, Roya! Ah! Wesh. Ouais, non, on a fait ce qu'il fallait faire. Bah oui, Roya, c'est normal. C'était pas malade, ça? Hein. Lui, non, je crois pas. ça va, il a peut-être de balasse, Miskin. Comment ça, Miskin, il mérite, hein? Ce qui ne tue pas, rend durci. Donc s'il meurt pas, ça l'a rendurci. S'il meurt, même. Alors... Mets un coup de pression. On a besoin de lui, mais pas trop non plus, on est pas les pites, hein. Allô. Vous m'entendez? Bah bien sûr, je t'entends pas. J'ai besoin de toi, vite fait, là, au niveau des Bénises. Au Bénises, okay. Environ 2 minutes. Ok, bah je serai là dans moins de 2 minutes. Une minute de plus, t'es mort. Tranquille-toi. Ok, j'arrive. Je suis convaincant, non? Ouais, du fou, regarde. Une minute de plus, t'es mort. Ouais. Il est trop bête, là.